n'a pas. C'est sombre. Ou Efrat, Vera, Beno, Akadosh, c'est ce qu'il Alors, on va commencer le shiur, Bezrat Hashem, que ce soit pour la refoua shelema de Sarat Aliya Bat Efrat Myriam, de Simcha Bat Rivka. Vous avez d'autres réfugiés là-bas ? Et les Béavdil, Léo Nishmat, Ruth Bat Esther, du frère de Aaron, Denis Chaim Ben Mesaouda. Que chacun pense. Justement, je pensais à Shimon Ben Alou, c'est ça ? C'est fou, hein, il est rentré, j'allais dire son nom, c'est incroyable. Et encore une fois, les Avdil, pour la Réouva Shalema, j'ai oublié de David Ben Soutan Ben Mani. On va commencer donc le Shiur. Vous savez que le dimanche soir, c'est le Shiur du côté Moran. Et c'est incroyable parce qu'à chaque fois, ça tombe dans les Shiurim de la semaine qu'on fait, dans le sujet que Hachem et Rabbeinu ils dirigent dans ma tête. Au fur et à mesure de la semaine, c'est comme une préparation au shiur du dimanche soir, on dirait. Et donc, on avait parlé que dans le Likutei Moharan 11, Rabbeinu, il essayait de te guider vers la capacité d'acquérir de la Torah de vérité, une Torah qui change la vie, une Torah qui te fait vivre, une Torah qui fait que tu ressens, ce qu'on avait parlé, que la Torah c'est faite pour être une Torah de vie. Donc, Sam Chaim, comme dit la Gemara, et pas Sam Mavet, comme on a beaucoup souvent en parlé. Et la vérité, c'est que comment ça marche? Je vais vous le dire en introduction avant de rentrer dans les mots, pour que vous sachiez comment ça marche exactement. Le principe, il est le suivant. Tu as mis ton excément? C'est lancé? Alors voilà, ça marche comme ça. Il y a un jeune qui est venu me voir tout à l'heure. Il m'a dit, maintenant c'est l'été, et c'est un jeune de Yeshiva. Pour vous dire que Rabbeinu, tout le monde a besoin. C'est un jeune de Yeshiva, il me dit, écoute, et c'est un jeune, bon, il est dans la 18-20 ans. Et il est venu voir tout à l'heure, parce que j'étais en train d'étudier dans une synagogue, vous ne connaissez pas, donc ça ne dérange pas. Et il est venu voir, il m'a dit, écoute, je voudrais vous parler, c'est que je donne des chivouris, mais que je suis connecté à Rabbeinu. Et il dit, je voudrais vous parler, j'ai ma Yeshiva à Yerushalayim, et sur le chemin de la Yeshiva, je n'arrive pas à garder mes yeux. Déjà, c'est une grande chose qu'un jeune de 20 ans se pose la question. C'est une très grande génération. Ça, je ne lui ai pas dit, mais c'est une très très grande chose. Sachez que notre génération, c'est une génération qui est très très compliquée. Dans la Gemara, c'est écrit que les sages, ils ont dit on ne veut pas faire partie de la génération du Mashiach, sauf qui? Sauf Rav Yosef. Pourquoi Rav Yosef, il a voulu faire partie de la génération du Mashiach? Il dit, moi, ça ne me dérange pas, parce qu'il était aveugle. Ça veut dire que les sages, ils ne voulaient pas faire parce que c'est une génération où on risque de tomber. Mais en même temps, lorsqu'on tient, si ce n'est qu'un peu, ça fait des péroulottes dans le shamaïm, des choses dans le ciel, dans les ciels, dans les différents niveaux du ciel, qui n'a aucune commune mesure avec même les grandes choses qui avaient l'air des grandes choses à leur époque à eux. Et donc c'est à double tranchant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, la situation est la suivante. Le monde, il est fait de la sorte. Rabbeinu, il dit, même pas dans ce l'écouté moran là, dans le premier l'écouté moran, il dit qu'un homme, il doit chercher à avoir du chen auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit que Noach matza chen ben Hachem. Pourquoi ce Noach il a été sauvé? Parce que c'est le seul dans sa génération qui n'est pas tombé dans les harayotes, qui n'est pas tombé dans les mauvaises mœurs. Donc grâce à ça, il a trouvé du chen. Il avait beaucoup d'autres problèmes, Noach. Il n'était pas tzadik 100% comme le rapporte Rashi sur place en le comparant à Abraham. Vous le savez sûrement. Mais Noach, il avait cette particularité d'avoir tenu bon dans cette épreuve-là. Et quand on tient bon dans cette épreuve-là, on est appelé tzadik. Donc, dans la génération de Noach, et à plus forte raison dans notre génération à nous. Donc, il dit Rabbeinu qu'un homme, il doit chercher à avoir du chen auprès d'Akadosh Baruch Hu, parce que le chen, parce que c'est ton créateur, c'est lui qui t'a créé, il veut ton bien. Donc, tu veux, comme un enfant veut plaire aux yeux de son père. A priori, si son père il l'aime et il lui montre du respect et de l'amour, alors forcément qu'il va vouloir lui faire plaisir. De la même façon, un juif,
premier, les enfants d'Hachem vont faire plaisir à Kadosh Baruch. Mais en plus de ça, le fait d'avoir du chen auprès d'Akadosh Baruch Hu, ça a une conséquence très positive, c'est qu'on a du chen à tous ceux qui nous voient. Il y a une sorte de orpanim sur la face, une sorte de lumière sur l'individu, qui fait que tout de suite, l'individu, il demande quelque chose, il a besoin de quelque chose au travail, ou, tout de suite, on a tendance à vouloir l'aider, on l'apprécie. Une sorte d'appréciation. Il y a des gens qu'on apprécie, ça s'appelle qu'ils ont du chen. Maintenant, comment ça marche ce renne-là? Ce renne-là, il fait en sorte que les tfilotes d'un individu, elles sont acceptées. Ok? Et les tfilotes, elles sont, on va dire qu'il y a trois conduits. Ok? Quand on va prier pour Akadosh Baruch Hu pour quelque chose, il y a trois conduits. Le premier conduit, c'est ce qu'on appelle le conduit des tfilotes, le conduit de la prière, l'avoda chez Balev, le travail du cœur. Le deuxième conduit, c'est le conduit de la Torah. Et le troisième conduit, c'est le conduit d'Akdusha. Ok ? Qu'est-ce qui se passe de façon générale, le Zohar Kadosh en parle beaucoup, c'est quand on prie, on veut quoi ? Que les prières arrivent où ? Chez Hachem Yitbarach. C'est ça le but de la prière. C'est pas qu'elle s'en aille n'importe où, c'est qu'elle aille chez son destinataire principal, celui qui peut changer toute notre vie, qui s'appelle Hachem Yitbarach. Donc, comment ça marche ? Si on veut avoir une chance de qu'elle monte chez Hachem Yitbarach, alors effectivement, Rabbeinu il donne ce secret-là, que le fait de attacher cette tfila au tzadikim, comme on en a parlé plusieurs fois, préalablement à la tfila, alors ça protège la tfila, ça permet au tzadikim à qui tu t'es attaché de protéger la tfila. Ok ? Maintenant, ça c'est un bypass, on va dire, c'est un système de secours. Mais de façon générale, la base, pour quelqu'un qui ne s'attache pas au tzadikim, qui n'a pas eu la chance jusqu'à maintenant de s'attacher au tzadikim, le conduit de la tfila, il est protégé par le conduit de la Torah. À condition quoi ? Que ce Torah. Oui, de l'imout Torah. À condition quoi ? Que ce l'imout Torah-là, il soit fait sans gave, sans orgueil. Plus vous avez d'orgueil, plus votre conduit de Torah, il est percé. Ok ? Et ce conduit de Torah, il est protégé par un autre conduit qui s'appelle le conduit de la Kedusha. Et le conduit de la Kedusha, il est basé sur quoi ? Sur Shmirat Abrit. Sur le respect, faire attention. Shmirat Anaïm à ses yeux, à ses pensées, mais tout parle des yeux. On a beaucoup parlé de ça déjà, vous le savez, tout parle des yeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas attention à ses yeux, c'est là où il commence à avoir des mauvaises pensées, et que le fait qu'il fait des mauvaises pensées, c'est là qu'il risque de tomber. Ok ? Donc tout parle des yeux en vérité. Nous, des fois, le Israël dit, mais c'est rien, t'as fait juste quoi ? Mais sachez que si vous ne voyez pas, vous ne penserez pas. Si vous ne pensez pas, vous ne ferez pas. Donc le vrai travail, il est sur les yeux. C'est pour ça que sa question était vraiment pertinente. Donc le principe, il est quoi ? Que l'individu, la protection de la Torah, de sa Torah, ce qui donne de la force à sa Torah, c'est la Kedusha de l'individu. Donc lui, je lui ai dit, bon, je vous donne l'exemple de lui, mais c'est cachou à ce qu'on va étudier aujourd'hui. Lui, il fait 1h30 de route pour aller à Yeshiva toutes les semaines. Il reste là-bas toute la semaine. Il a choisi, parce qu'il ne vient pas forcément d'une famille qui aurait pu faire autre chose, c'est-à-dire qu'il aurait pu aller à l'université, il a choisi la Torah. Il a choisi ça, et même lui qui est protégé par la Torah, qui étudie, etc., il a aussi ce Yetzerara-là. Ok ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il réalise, mais il ne comprenait pas. Alors je lui ai dit, c'est sûr que, premièrement, il faut se motiver, il faut étudier. Il faut étudier c'est quoi l'importance. C'est écrit dans le Zohar Kadosh que le fait de la peau d'un individu, pourquoi c'est attirant? En vérité, c'est que du dimayon, il n'y a rien d'attirant vraiment. Mais la peau d'un individu, c'est la peau du nachash, c'est le or à nachash. C'est-à-dire qu'avant la faute, on avait un habit de lumière. À partir du moment où la faute elle a eu lieu, on est tous habillés de la peau du nachash. Donc quand un individu, c'est pour ça d'ailleurs que Adam Arishan tout de suite a voulu se cacher, il n'a pas compris, il a dit « Oh, je suis nu ». Il a réalisé qu'il y avait un habit de Nahash, l'habit du serpent qui était maintenant qui l'habillait. Donc à partir du moment où maintenant il y a un chibour entre vous et une autre femme, ou entre une femme et un homme, qui n'est pas un lien qui est autorisé, ce qu'on appelle tous les harayot, qui sont toutes dans la Torah, tout ce qui est cité comme interdit, ou même entre vous et votre femme Nida, mais à moindre niveau, parce que votre femme Nida, elle est seulement pour une période interdite, on va dire dans les vrais interdits,
Alors à chaque fois qu'il y a, il y a un regard, ou il y a une envie, ou il y a, une chose qui va, qui va se passer entre l'individu et le, la peau de l'autre, c'est un lien, nous dit le Zohar Kadosh, c'est très très dur ce qu'il dit, on va calmer le sujet, mais juste pour que vous compreniez l'importance, pour qu'on comprenne l'importance, que chacun doit se le rappeler, qu'à chaque fois qu'il y a, un lien mental ou visuel, ça crée un lien entre le Samer Mem et l'égalité. Qui crée, qui à partir de ça, ont le potentiel de créer des Shedim, des démons. Donc un juif qui se protège, il protège le monde entier en vérité. En plus que lui, la protection de ses yeux, donc la Kdusha qu'il va acquérir, c'est elle qui donne de la force, de la puissance à sa Torah. C'est elle qui fait que sa Torah elle a de la force, et pas seulement ça, c'est elle qui va permettre qu'il va pouvoir étudier la Torah. C'est pour ça que un des grands points fondamentaux que Rabbeinu y rapporte et qu'il étudie, qui est martel presque, c'est la Shmirat HaBrit. Pourquoi ? Parce qu'un individu qui a ça, il a une protection sur tous les aspects de sa vie qui sont la Torah et la Tfila. Toute sa relation avec Hachem, elle est protégée, pas seulement protégée, elle a un pouvoir maintenant extraordinaire. Je le dis souvent, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou vous étiez là pour l'entendre, mais le secret par exemple des Aborsera, encore dans les générations qu'on est capable de voir aujourd'hui comme Rabbi David, Aborsera ou d'autres, c'est Shmirat HaNaïm. C'est ça leur secret. C'est ça qui a fait que, ce que dit Rabbeinu, on a accès au Or HaGanouz. Dans la Torah, vous savez que la création du monde, il y a une lumière. Cette lumière-là qui s'appelle le Or HaGanouz. Pourquoi elle s'appelle le Or HaGanouz ? Parce qu'elle a été cachée à partir du moment où Hachem s'est rendu compte que il avait déjà prévoir ça, merci beaucoup. C'est qu'à partir du moment où il savait que ça allait être utilisé à des fins négatives par des gens pas très bien intentionnés, il l'a caché. Où il l'a caché ? Dans les lumières de Hanouka, on en a parlé à Hanouka, et dans la Torah. Maintenant, c'est pas tout le monde qui étudie la Torah qui a droit à cette lumière-là. Il y a la préparation à l'étude, comment vous allez étudier, mais il y a aussi la Kdusha qui est associée à l'individu qui étudie. Et plus un individu, chacun a son niveau. Ça ne veut pas dire que chacun peut tomber à un certain niveau, loin les noms. Mais chacun a son niveau, il a cette capacité-là de devenir de plus en plus kadosh. Que sa Torah, elle est une force incroyable. Elle soit protégée et elle protège cette filote. Ok ? Maintenant, ça c'est comment ça marche pour un individu lambda, de toutes les générations du monde. Comme ça, ça a marché. Maison. Hein ? Maison. Pour les hommes et pour les femmes. Les femmes aussi, c'est plus difficile d'avoir des envies et trucs, mais aujourd'hui, je veux dire, c'est aussi féminin que masculin pour certaines. Donc je pense que je sais que c'est dans les deux cas. Ok ? C'est évident que c'est un autre aspect pour les femmes. Je donnais un chiot aujourd'hui à Natania, et je devrais expliquer. Je vais expliquer la chose suivante, je pense que je vous avais déjà expliqué aussi. C'est qu'il y a des systèmes de bypass, encore une fois, je ne sais pas comment on dit ça en français, des conduits différents pour faire monter la tefila. Je vous l'ai dit, je pense souvent, c'est que le conduit, vous savez, je vous répète depuis le début, le Zohar Kadosh, comme je vous ai dit, il dit qu'à chaque fois qu'une tefila elle monte, d'abord il faut qu'elle monte. C'est pas dire qu'elle va monter, c'est rapporté au nom du Baal Shem Tov qu'un jour il est rentré dans la synagogue, il a dit je peux pas rentrer ici. On a dit pourquoi ? Il a dit parce que tout est de filotes, il y a trop de filotes ici. Alors les gens là-bas ils se sont waouh, il y a beaucoup de filotes, moi je ne peux pas rentrer. Il a dit mais non, je ne peux pas rentrer parce qu'elles ne sont pas montées, elles sont restées ici. Tellement il y avait de gava, tellement il y avait d'orgueil chez les gens qui priaient là-bas que les filotes elles ne montaient pas, elles emplissaient là, c'était un remez pour leur dire qu'elles emplissaient. Donc la première chose c'est que les filotes elles risquent de ne pas monter. Ok ? Rabbeinu, il donne la solution. Il dit, si tu veux que ta tefila elle a une bonne chance de monter, il faut que tu t'attaches au tzadikim, comme je vous ai dit, et que tu pries Bekavana. La bonne nouvelle, c'est que le Baal Shem Tov, il dit que quand il y en a une qui monte, c'est-à-dire que quand il y en a une qui monte, elle perce le conduit de la montée et elle fait monter les autres. Ok ? Donc ça, c'est le principe. Et donc et toutes les autres, elles sont en train d'attendre, et à un moment, vous avez un élan de réglichout comme ça, vous pleurez, vous dites à Hachem, je t'en supplie, je sais pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comme Hana au bout de je sais pas combien de filotes, combien d'années, qui a demandé pour Shmuel, elle a pleuré, elle était presque, elle avait l'air chikoura, elle avait l'air saoul. En tout cas, Élie, le prophète Élie, il a dit, est-ce que tu es saoul, et il a soupçonné de ça. Et cette fila-là, elle est montée et elle a explosé les cieux et toutes les filottes sont montées avec.
puisqu'elle a eu Shmuel, c'est vrai, mais après ça, elle a eu d'autres enfants. Donc ça veut dire que Shmuel a ouvert la porte et finalement toutes les autres filottes sont montées avec elle. Ok ? Dans la Gemara, c'est rapporté qu'elle a eu d'autres enfants. Dans Maseret Brachot. Donc le principe, il est que les filottes, d'abord, elles doivent monter. Et ensuite, une fois qu'elles sont montées, au Kissé à Kavod, elles doivent être acceptées. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont acceptées ou pas ? C'est qu'à chaque tfila qui est posée, chaque tfila qui est demandée par un juif, le Zohar Kadosh dit que les Béné Israël pendant Yamim Ronoraim, c'est-à-dire pendant Kippour, Shavu et Rosh Hashanah et les 10 jours de pénitence, de repentir, pénitence, c'est pas beau, de Tshuva, pour les 10 jours de Tshuva, ils ressemblent à des chiens. Pourquoi des chiens ? Parce qu'ils font hav-hav, toute la journée hav-hav. C'est-à-dire quoi hav-hav ? Ça veut dire donne-moi, 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 donne-moi. Ils ont l'impression d'être assez comme ça. Et le Zohar, il dit que chaque fois qu'un juif dit donne-moi, alors cette fille-là, si elle monte, elle arrive au Kissé à Kavod, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre les livres. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a associé à cette fille-là des mécatrégimes, des anges accusateurs qui viennent et qui disent attends, vérifions qu'il a le droit parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, pour que éviter ce système-là, disons que ta fila est montée, pour éviter le système des mécatrégim, alors la solution est la suivante, et Rabbeinu le dévoile, Rabbi Nathan dans l'écoute à la faute, il dévoile plus précisément, il dit que la façon d'éviter, ou en tout cas de bypasser le système des mécatrégim, donc des accusateurs, c'est de arrêter de prier pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter de prier pour vous ? Ça veut dire de commencer à prier pour Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire de commencer à prier pour Akadosh Baruch ? Ça veut dire que maintenant, ta tfila, elle va peut-être demander la même chose, mais elle va être dans un autre sens, d'un autre angle. C'est-à-dire, toi tu demandes la parnassa, ouais. Alors ce que tu vas faire, en réalité, j'ai un très bon exemple que j'ai connu, et après ça on reviendra sur la parnassa, mais l'exemple est tellement vrai et tellement beau que je trouve que c'est le meilleur exemple. Ça fait quelques fois que je le donne cette semaine, mais il est tellement vrai. Il y a un jour, une fois après un shiur, une femme qui est venu après un shiur, justement, qui donnait ce solde là de Rabbeinu, qui dit qu'il faut prier pour Hachem. Pour la maison, je l'avais donné déjà. Ah, alors, Hazak. Alors, c'est vrai. Donc, elle est venue. Elle priait pour Hachem. Et de ce solde là de prier pour Hachem. Et elle est venue au shiur quelques semaines plus tard. Elle a remercié le Rav, elle a dit merci beaucoup. En tout cas, elle est venue me voir, elle m'a dit merci beaucoup, ça a marché. Ah bon, qu'est-ce qui a marché? Le bon Hachem, ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? Ben, ça y est, j'ai été répondu après tellement d'années de fil, j'ai été répondu. Cette femme-là, c'était une femme qui avait grandi dans une grande maison et qui avait été toujours habituée à un certain espace dans sa maison. Et depuis qu'elle s'était mariée, à cause de son mari qui n'avait pas tellement de moyens, elle était dans une maison beaucoup plus petite avec beaucoup d'enfants et ça l'a gênée, elle était très très triste de ça, et ça l'a gênée beaucoup, etc. Donc qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là ? Elle priait, j'en supplie, donne-moi une grande maison, je t'en supplie, j'en peux plus, donne-moi une grande maison, je peux pas marcher les uns sur les autres comme ça marche, j'ai jamais été habitué à ça, c'est compliqué pour moi. Elle priait comme ça. Et un jour elle a écouté donc ce chiot-là de il faut être capable de prier pour Hachem. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est posé la question, comment je vais faire pour demander à Hachem la maison pour lui ? Et donc, elle a fait comme ce que Hana a fait d'ailleurs. Elle a fait une fila, mais une fila très spéciale. Alors, je lui ai demandé, c'était quoi la fila que vous avez faite pour recevoir ? Donc, elle m'a dit que quelques mois plus tard, ou quelques semaines, je ne me rappelle plus, son mari avait une grosse promotion, il avait été muté, il avait une grosse promotion. Et que, Baruch Hashem, elle en avait profité pour demander à son mari une nouvelle maison. Enfin, de une nouvelle maison. Et qu'effectivement, quelques jours, elle a trouvé quelque chose de très abordable pour eux, avec deux étages. Je dis, waouh, c'est incroyable! C'est une super promotion, ça! Alors, j'ai dit, ah oui, et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir c'était quoi la tuila. Alors, elle a dit, moi, j'ai dit à Hashem, toi et moi, on va faire un deal. En vérité, moi, je veux une maison pour toi. Je veux une maison pour moi. Mais toi, tu vas m'inviter dans ta maison. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous les mercredis soirs, il va y avoir un shiur dans cette maison-là, de Torah. À l'époque, dans le quartier où elle habitait, il n'y avait pas tellement de shiurim. C'était déjà il y a quelques années. On va faire qu'il y ait un shiur dans cette maison-là. Et moi, je vais faire un repas tous les mercredis soirs, comme si c'était Shabbat. Pour tout celui qui va venir écouter le Rav qui va être là. Et donc cette maison-là, ça va être la maison du shiur. Maintenant, si tu me permets, je veux vivre aussi dedans. Mais c'est juste parce que je vais être le conduit de ce chiour là, seulement pour ça.
Et cette fille-là, elle est montée. Et Baruch HaShem, ce chiour-là, il n'a pas eu une ou deux personnes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 50-60 personnes tous les mercredis soirs qui viennent écouter différents. C'est en route la Retz, mais 50-60 personnes qui viennent écouter les chiourim de différents rabbins. Et ça, c'est le meilleur exemple, mais on peut en donner plein. Celui qui prie pour la parnassa, hein, qu'il arrête de prier pour sa parnassa personnelle. Il commence à prier que Hachem, je sais que tu veux soutenir tel affaire, je sais que tu veux soutenir la Torah, je sais que tu veux être un collègue, je veux faire partie de ce plan-là, pour toi, parce que je sais que ça te ferait plaisir et moi ça me ferait aussi plaisir. Alors, tu sais quoi? Viens, on fait un deal. Ma parnassa, elle augmente, en fonction de l'augmentation de la parnassa, il y a un tant de pourcentage de l'augmentation qui y va, en plus des 10% qui n'ont rien à voir, ça c'est du khayab, ça ne vous appartient même pas les 10%. C'est une bonne question. Vas-y. Et si on demande un père qui nous bosse plus d'argent pour soutenir un père, en réalité, c'est pas réellement pour soutenir un père, c'est-à-dire que pas tout l'argent qu'on va recevoir, on va aller pour un père. D'accord, mais puisque tu le fais pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que ça marche. Alors, en fait, on doit donner quelque chose. Non, c'est que tu le fais pour Hachem. Après ça, toi, tu reçois les dividendes de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, Hana, avec Shmuel? Hana, avec Shmuel, elle est partie et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est bon, j'ai compris. Tu veux pas me donner d'enfant. J'ai une matrice qui est fermée. Et c'est pas Hana, c'était pas une femme. Il y a certaines femmes, ça les dérange pas tellement. Elle va pas mourir parce qu'elle a pas d'enfant. Ok? Même si la plupart des femmes, oui. Mais Hana, vraiment, ce que c'est écrit dans la Torah que son mari lui a dit, mais moi je vaux plus pour toi que 10 enfants, je t'aime plus que 10 enfants. Il dit, mais c'est pas ça que j'ai besoin d'un enfant. Alors elle a dit, ok, tu sais quoi, Hachem? Très bien, on va faire un deal toi-même. Cet enfant-là, il n'est pas pour moi, il est pour toi. À 3 ans, je le donne à la yeshiva. Il n'est pas à moi. Mais laisse-moi le porter et laisse-moi l'éduquer jusqu'à 3 ans. Toi et moi, on fait un deal. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à cette fille-là. Mais en répondant à cette fille-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la matrice. Qu'est-ce qu'il a fait, Shmuel? Il n'est pas venu tout seul, il a ouvert la matrice de Prana. Donc maintenant, elle a commencé à avoir des enfants. Donc le principe, il est que quand quelqu'un est sincère, on parle de la base, c'est que c'est une sincérité. C'est pas juste, on est en train de faire du poker ici, on joue pas au poker avec Hachem. Donc la base, c'est la sincérité. Mais quand tu pries sincèrement, pour Akadosh Baruch Hu, alors de toute façon, tu viens d'atteindre ce qu'on appelle le trésor caché. Maintenant, Rabbi Nathan, il rapporte, ça s'appelle le trésor caché. C'est un chèque en blanc. Hachem, il est prêt de faire un chèque en blanc parce que tu ne travailles plus pour toi. Le Ben Ishraï, il rapporte cet exemple-là. Et il dit comme ça. En vérité, même le Ben Ishraï, qui est venu après Rabbeinu, mais il rapporte ce secret-là. Il dit qu'il y avait un roi qui a demandé à un de ses serviteurs de porter une grosse marchandise pleine d'or de l'autre côté de la ville, dans un autre village. Et en même temps, ce serviteur-là, il avait d'autres marchandises à lui qui devait transporter en même temps que le roi. Maintenant, pour aller dans ce village en question, il fallait traverser un petit pont. Que tout le monde savait qu'il y avait des brigands par là-bas et que quand tu traversais le pont, tu avais une chance sur ou même deux chances sur trois de te faire avoir et de te faire voler. Maintenant, il a quand même emprunté le pont parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Avec les deux marchandises ? Avec les deux marchandises, la sienne et celle de la chèvre. Et c'est la chèvre, celle du roi. Et effectivement, ça n'a pas raté, il s'est fait attaquer par les brigands. Maintenant, quand ils ont attaqué les brigands, il leur a dit une seule chose. Il leur a dit, écoutez bien, je savais que vous alliez venir. C'est pas une surprise pour moi. Et j'ai quand même emprunté le pont. Parce que cette marchandise-là, elle n'est pas à moi. Elle est au roi. Et s'il apprend que vous lui avez pris sa marchandise, demain vous êtes mort. C'est fini. C'est le pont qui explose. C'est pas vous, c'est vous et le pont qui explose. Donc vous avez deux choix. Soit vous me laissez passer. Ok? Soit le roi il s'occupe de vous, c'est pas moi, j'ai rien à faire dans l'histoire. Ok? Et si demain la marchandise n'est pas arrivée là où il m'a demandé d'arriver, il va savoir et c'est fini pour vous. Donc le Ben Ishraï dit c'est la même chose avec un homme. Si tu prends le poids d'Hachem sur tes épaules, qui en vérité n'est pas un poids, c'est lui qui te porte, c'est comme la Torah, c'est elle qui te porte. Ouais? Alors qu'est-ce qui se passe? Les Mekatregim, les anges accusateurs, les démons, ce que vous appelez comme vous voulez les appeler, comme c'est écrit dans le Zohar, comme c'est écrit dans la Kabbalah, comme c'est écrit partout, ils n'ont pas d'emprise sur vous parce que vous n'êtes plus au service de vous-même. Si vous êtes au service de vous-même, alors oui, effectivement, il y a des livres à ouvrir, il y a des choses à faire, ouais. Mais si vous n'êtes plus au service de vous-même, il n'y a plus à aller chercher chez vous, ok. C'est pour ça que, on va commencer le écouter Moran, pourquoi vous êtes venu, c'est-à-dire les paroles de Rabbeinu. C'est pour ça qu'il dit, « Ve'orazé, la lumière,
Ah oui, il faut que je fasse une autre préalable intervention, parce que je m'excuse, hein, mais c'est pour mieux comprendre l'écoute morale. D'après ce sod-là que je viens de vous donner, sachez que c'est le plus grand sod qui existe dans la tfila. Prier pour Akadosh Baruch Hu et agir pour Akadosh Baruch Hu, ça bypass tous les systèmes qui viennent vous casser. Tous. Ok ? Sachez que c'est le secret de tous ceux qui donnent des shiurim. Moi y compris. Ça veut dire que moi je suis conscient à 100%, je l'ai dit à Shabbat au Shio, je suis conscient à 100% que les textes que je comprends aujourd'hui, que je ne comprenais pas il y a 10 ou 5 ans, c'est seulement par le mérite que je dois enseigner. Que pas je dois, que j'ai choisi d'enseigner, que j'ai pris sur moi d'enseigner. Et c'est des textes que je ne comprenais pas il y a 5 ans et qu'aujourd'hui je suis encore surpris de comprendre, de la façon dont je les comprends. Et je suis 100% que j'ai aucun mérite. Et personne en vérité n'a du mérite suffisant pour comprendre les secrets de la Torah. Si ce n'est pour le mérite du Tzibou. Comme il a dit Rav Meria entre Mitra et Ravid, il a dit vous ne comprenez pas que quand vous participez à un Tzibou, l'emprise de la Hatzibou, du Yetzerara, etc., il n'est plus la même. Pourquoi ? Parce que maintenant il y a une protection supplémentaire qui fait que vous êtes unis à un Tzibou. Quand vous êtes unis à un tzibour, c'est-à-dire à un minyan, un congrégat de juifs, un rassemblement de juifs, c'est plus la même chose. Vous ne faites plus partie individuellement de personne. Même celui qui veut vous attaquer, il doit passer par l'ange d'Israël. Il doit passer par Mirael et vérifier si oui ou non il a le droit. Parce que maintenant, vous faites partie du tzibour. C'est pour ça que la tfila en tzibour, elle a une telle force aussi. Parce que même malgré que chacun il a des problèmes, des difficultés, des erreurs qu'il a fait dans sa vie, puisqu'il fait partie d'un tzibour, la Ishrina est avec eux et ça avance, ça fait monter la tfila. Donc préalablement à ce que on va commencer maintenant, il faut comprendre la chose suivante, qui est que Hachem, je pense que je vous l'ai déjà dit aussi, mais c'est Rabbeinu qui dévoile, et déjà le Baal Shem Tov l'a dévoilé. Hachem, il n'a créé son monde que pour donner. C'est écrit Berachamanuto. Le vrai traduction de Rachamanut, c'est une volonté de donner. C'est ça la Rachamanut, c'est pas de la miséricorde, de la pitié, c'est des mauvaises traductions. Hachem, c'est un centre nucléaire de volonté de donner. C'est ça qu'il est. Il a créé le monde pour donner, 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 donner. Ah, mais tu vois que tu reçois pas tellement. Comment ça se fait? Alors la chose est la suivante. Hachem, il envoie des tonnes et des tonnes de lumière à l'individu. Des tonnes. Pas un ou deux grammes par jour. Des tonnes de lumière. Par le conduit dont on a parlé. Parce que de la même façon qu'il y a un conduit qui monte, il y a un conduit qui descend. C'est écrit que Hachem, il émet Kabel Tfilot. Il reçoit les Tfilot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il émet Kabel Tfilot. Et qu'est-ce qu'il fait en retour? Il envoie le Shefa. Il envoie. Il envoie des tonnes et des tonnes de Shefa. Il adore et c'est ça qu'il veut. Il veut que vous receviez ce chiffre. Voilà. Le problème, il est comme ça. Le problème, il est que par nos comportements, nos lachonara, nos mauvaises pensées, nos regards passés par-ci par-là qu'il ne fallait pas regarder, tout ce que vous voulez, toutes les choses qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on a fait dans une journée, on tord le conduit. Ok ? On tord le conduit. Mamache, on tord le conduit. Et en tordant le conduit, eh ben, à la fin, il reste quelques gouttes de lumière. Okay, ça c'est la première raison pour laquelle on ne reçoit pas toute la lumière. La deuxième raison pour laquelle on ne reçoit pas toute la lumière, c'est que, encore une fois, de la même façon qu'il y a une protection pour la tfila qui monte, il y a la même protection pour le shefa qui descend, qui s'appelle la Torah et la Gdusha. De la même façon que ces deux conduits-là protègent la tfila qui monte, elles protègent aussi tout le shefa, la réponse Hachem qui descend. Okay? Maintenant, je vais vous donner un exemple qui est rapporté dans l'écoute Moran, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est le 67. Là-bas, Rabbeinu, il donne un exemple sur la parnassa. Il dit que quand un individu, il prie pour la parnassa, et que Behemet, c'est Magialo. Ça veut dire, on ne parle pas maintenant du système de bypass dont je viens de vous expliquer, qui est complètement un autre système, qui n'est même pas attaqué par les Mekatrigim, qu'il a prié pour Hachem. Quelqu'un, il a prié pour la parnassa, et Magialo, ça a été décidé qu'il doit recevoir cette parnassa-là, à Rosh Hashanah, ça lui a été décidé. En fonction des choses qu'il a fait l'année d'avant, etc., etc. On a parlé à Rosh Hashanah, on en reparlera encore sur Rosh Hashanah. Donc ça lui est décidé, ça lui est magué alors. Il lui revient cet argent-là. Maintenant, le problème, c'est que le Samer même, qui est la même chose que l'Etzera, qui est la même chose que... Donc c'est toute une même entité. Ils ont le droit d'attaquer cette lumière-là.
Mais comment ils attaquent cette lumière? Ils ne peuvent pas attaquer directement la lumière, parce que c'est la lumière d'Hachem qui doit revenir, qui doit descendre dans le conduit. Ils attaquent l'individu. Comment ils attaquent l'individu? Voilà, ça, c'est l'enseignement de Rabbeinu. C'est que l'individu, ils vont lui mettre une épreuve de colère. Et en général avec sa femme, parce que la colère, la femme et l'argent, c'est le même monde. Ça vient du même monde. Ok, c'est comme ça qu'il explique Rabbeinu. Donc en général avec sa femme, parce que, ou ses enfants, mais en tout cas les gens proches de lui en général, parce que d'abord on se met beaucoup plus facilement en colère quand on croit que personne ne regarde alors qu'Hachem est toujours là, mais quand on se permet plus de choses dans la maison soi-disant, ce qui est très très grave en vérité, malheureusement. Et donc on est là, il va avoir une épreuve de colère. Maintenant, j'ai parlé cette semaine, vous reverrez le cours pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a parlé de Mohrin des Gadoud et de Mohrin des Katnout. Vous vous rappelez, je ne sais pas qui était là, qui n'était pas là. On va faire un très très bref raccourci de tout ça parce que j'en ai déjà parlé. Il y a deux façons de vivre sa vie. Soit en Mohrin des Katnout, c'est-à-dire en ce qu'on appelle un esprit étriqué. C'est-à-dire que, c'est quoi l'esprit étriqué? C'est Rabbeinu, il dit que l'esprit d'un enfant, il a les Mohrin des Katnout. Ça veut dire quoi? Qu'un enfant, s'il veut ça maintenant, tu as beau lui expliquer que c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, il va quand même faire sa crise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour lui aujourd'hui. À l'instant T, il est impossible de voir autrement que ce petite chose qui lui manque là. Il veut cette place là dans la voiture, qu'il a beau faire, tu peux lui dire ce que tu veux, mais c'est pas grave, hein? Non, je veux cette place là, il m'a pris, mon frère, il m'a pris ma place, il devient fou. Ok, tu peux l'expliquer tant que tu veux, c'est cette place là qu'il veut. Il n'y a pas. Mais tu lui dis, mais attends, c'est pas la fin du monde, tu es en train de retarder tout le tioul, on va aller faire un tioul, tu vas manger des glaces, Non, je veux cette place là, c'est ça, c'est tout, je m'en fous de la glace maintenant, je veux la place. Ok? Donc ça veut dire que l'enfant, c'est comme ça. Mais le problème, vous rigolez. Le problème, c'est que c'est des adultes qui ont ça. Les adultes, ils le cachent un peu plus. Mais ils ont autant Mohrin des Katnout que l'enfant. C'est-à-dire que quoi? Ils sont incapables de se détacher de la réalité qui leur est présentée ou du problème qui leur est présenté pour avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui est en train de se passer et de voir Hachem dans la situation et d'être capable de voir beaucoup plus grand. Ok? On a fait un chiot complet sur ça, vous le verrez. Mais... Donc l'individu, il est dans Mohrin des Katnout maintenant, il est dans un esprit étriqué. Maintenant, il y a une autre façon de voir sa vie, c'est Mohrin des Gadlout. Par exemple, dans cette épreuve de colère, il y a celui qui, parce qu'on lui a fait une remontrance, ou parce que sa femme l'a rabaissé, ou parce que son fils lui a manqué de respect, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en colère, il va asseoir soi-disant son autorité. En faisant ça, il est en train de transformer la lumière de la parnassa, qui est sous forme de lumière, de or. Le or, c'est un concept très 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 grand dans la Kabbalah. On va pas rentrer dans les détails, mais je vous donne la lumière pour que vous compreniez qu'il y a une sorte de lumière qui descend, mais c'est très complexe en vérité cette lumière-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas traversé tous les mondes et qu'elle est arrivée dans notre monde à nous, elle n'a pas encore pris la forme de l'argent. Donc, tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas encore pris la forme de l'argent, que vous avez reçu un chèque que vous pouvez mettre en banque, tant aussi longtemps que ce n'est pas arrivé, le Yetzer Hara, il peut vous tester jusqu'au moment où il va arriver à quoi? Que si vous vous mettez en colère, ça va transformer cette lumière-là en quoi? En rien. Ça va la transformer, la jeter dans la poubelle. En colère, ça va la transformer, puisque ça vient du même monde. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres que donne Rabbeinu. Sur le Pachad, par exemple, sur la peur, c'est des sujets qui sont très profonds. Et donc quoi? Que le principe, il est que ça va être transformé. Maintenant, si un individu, il a Mohrin des Gadlout à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il voit plus loin que la situation, que la remontrance ou le manque de respect de son monde, il dit « Ah, attends, Hachem est en train de me tester, ça veut dire que je vais gagner beaucoup d'argent bientôt. » Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'être énervé, il va sourire, il va dire « Ouais, mais c'est bon là, si je vois qu'il y a un test d'énervement, ça prend les Mounat Rahamim, beaucoup, surtout dans le test. Mais ça prend que les Mounat est d'Ivrei Rabbeinu, qu'il a dit ça et c'est vrai, 100% c'est vrai. » Quelqu'un il dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit attends, moi je vais m'énerver, au contraire, c'est un cadeau qu'il est en train de me faire Hachem. Il veut que je tienne le test pour me donner de l'argent. Et il est très très content de ça, au contraire. Presque il est trop content parce que c'est pas mal, je comprends pas, pourquoi il s'énerve pas? Qu'est-ce qu'il a? Ça va l'énerver encore plus. Non, mais évidemment que si votre femme vous dit quelque chose, il faut le prendre en compte et essayer de le changer, etc. Mais ça, non, ça change rien de toute façon de pas s'énerver, c'est pas le problème. Mais Mohrin des Gadlout, ça amène ça. Ça amène cette capacité-là à voir au-delà de la situation, à voir qu'est-ce qui se passe derrière. Tout en gérant la situation, mais évidemment, il faut gérer le problème. Avec votre fils ou avec votre femme, il faut gérer la situation calmement, essayer de comprendre qu'est-ce qui vous est reproché, etc. Mais d'un autre côté, il faut comprendre qu'il y a toujours Hachem derrière. Et ça s'appelle Mohrin des Gadlout. Ça veut dire que vous avez toujours quelque chose à gagner. En tenant bon, vous avez toujours quelque chose à gagner. En tenant bon, par exemple, comme je vous ai dit dans le test du Shmirat Hanaim,
cet individu-là qui est venu voir ce jeune-là, il se sentait mal. Mais au contraire, il doit se sentir bien. Parce qu'il est testé, parce qu'il a quelque chose à gagner de ça. Parce que maintenant, il va tous les jours étudier la Torah. Et sa Torah, elle peut avoir une force extraordinaire. Ça peut devenir un grand Torah, cet homme-là. Ça peut devenir un très grand Torah. Mais pour qu'il devienne un très grand Torah, il doit passer l'épreuve de Shemirat Hanayim. Ça va ensemble. Donc, quelqu'un qui n'a pas cette épreuve-là, il ne peut pas devenir un grand Torah. C'est pour ça que tous les grands Torah, ils ont eu cette épreuve-là, un jour ou l'autre. Rabbeinu le premier, Rabbeinu le littéraire, il est venu lui dire, on fait un deal, toi et moi. Je te laisse sur tous les plans. Tu n'auras plus Tavat Achila, plus Tavat Mammon, plus rien. Au début de son alia, de son élévation spirituelle, il est venu me voir, il lui a dit, Rabbeinu, il est rapporté. Il est venu me voir, il m'a dit, je te donne tout sur un plateau. Une seule chose, tu ne seras pas parfait, mais tu seras très bien, hein, un grand sadique, mais pas parfait, c'est sur les mœurs. Okay, on ne te laisse pas sur ça. On s'adit comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbeinu? Il lui a dit, tu me laisses sur les mœurs et tu peux faire ce que tu veux avec le reste. Ça veut dire, il a envoyé bouler. Il lui a dit, écoute, tu crois que je suis stupide ou quoi? Ça veut dire que vous comprenez que cet individu-là, déjà, il n'a pas compris que l'épreuve, c'est pas parce qu'Hachem ne t'aime pas. C'est au contraire parce qu'Hachem, il t'aime. Si vous avez une difficulté dans la vie par rapport à n'importe quoi dans l'arbre d'Hachem, c'est parce que le fait de surmonter l'épreuve, ça va vous amener un shefa, mais qui est incommensurable. Par exemple, la colère, quand tu te dis, mais pourquoi Hachem, il fait toujours que ma femme elle s'énerve avec moi? Mais parce qu'il veut que tu aies plein d'argent. Et en plus, il veut que tu grandisses et que tu évolues, etc., etc., et que ça va t'aider à comprendre, à te rendre un âme, à baisser la tête, et plein de choses que l'homme, il n'a pas tendance à faire beaucoup. Ok? Ça, c'est pour la femme. Les enfants, la même chose. Tout le principe, il est... Alors, un, il ne faut pas être un Hatzman, au contraire, il faut être très content que Hachem, il t'a testé. Deuxièmement, il faut tenir bon, c'est tout. Il faut tenir bon. Maintenant, quelqu'un qui tient, alors il m'a dit, mais quelqu'un qui tient pas bon. Alors là, à ce moment-là, c'est un chiour de l'écouter Moran qu'on a fait déjà. C'est que Rabbeinu, il explique qu'il y a deux avodas. Il y a l'avoda quand on est en bas et l'avoda quand on est en haut. Il y a le service quand on est en bas et le service quand on est en haut. Le service quand on est en bas, c'est de comprendre que quand on a fauté ou combien de fautés, que le Yetzirara, ce qui l'intéresse le plus, c'est pas la faute. Ce qui l'intéresse le plus, c'est que vous restiez en bas. C'est pas le désespoir, le découragement qui vient de la faute. C'est quand vous avez fauté que vous dites, ouais, c'est bon, c'est pas pour moi tout ça. Et vous restiez le plus longtemps possible comme ça. Mais si vous fautez et tout de suite vous dites, non, c'est pas, j'ai regardé, mais ça y est, je regarde plus aujourd'hui, c'est fini, je reprends, etc. Et même autant que ça truc, sachez que cette faute-là, en vérité, c'est ça qui va vous permettre de monter plus haut. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est écrit que. Que l'Agmara elle dit, et c'est une phrase très connue, que effort où se trouvent les, je vous le dis en français directement, où se trouvent les Baalei Tshuva, on ne trouve pas les Tzadikim Gomurim. Les Tzadikim ne peuvent pas se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbeinu lui-même il a dit que la vie c'est comme ça. C'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est d'être en escalier, c'est-à-dire d'être en montée. Je baisse et je remonte plus haut. Je baisse, je remonte plus haut. Je baisse, je remonte. Donc finalement, et en vérité, la montée, elle ne peut être permise que par la descente. Parce que la force d'impulsion, comme vous allez, par exemple, faire du. Comment on appelle ça? Pas du sol élastique, là, le trampoline. Oui. Il faut d'abord que tu aies une certaine poussée vers le bas pour te remonter en haut. C'est comme ça dans la vie. C'est qu'il faut descendre pour remonter. Il n'y a pas le choix. Même Rabbeinu l'a dit, à son niveau à lui, c'est sûr qu'il n'est pas tombé dans des grandes fautes. Mais même à son niveau, pour monter au niveau suivant, il fallait que je casse un peu. Il fallait que je descende. Donc quelqu'un qui comprend ça, donc qui dit quoi? Quand il a Yetzerara, il dit, mais c'est bon, c'est l'occasion de monter. C'est l'occasion de remonter. Et ça, c'est seulement quand t'es en bas. Tu peux pas penser ça quand t'es en haut. De dire, ah, tu sais quoi, je vais faire un petit coup en bas pour bien remonter. Non, quand t'es en haut, que ça va bien, ne commence pas à essayer de descendre. Ok? Te laisse pas avoir. Ça, c'est l'arbre d'en bas. Par exemple, l'arbre d'en haut, c'est quoi? C'est de dire, quand tu es en haut, de penser que t'es encore en bas. Donc en fait, le chokhma, elle est inversée. Quand tu es en bas, Rabbeinu te dit, tu sais quoi, rappelle-toi qu'en vérité, tu es en haut. C'est le début de la montée, donc tu es déjà en haut. Et quand tu es en haut, rappelle-toi que tu es en bas, en vérité. Ça veut dire que tu crois que tu es en haut, mais c'est rien du tout ce que tu fais. Et quand tu fais ça, tu es tout le temps comme ça. Et tu montes. Et plus vite tu fais ça, moins tu te laisses avoir par le tirara au moment où tu tombes, et plus tu vas monter, parce que plus tu fais des allers-retours. Il a dit Rabbeinu dans la fin de sa vie, chaque respiration, je double mon niveau, je double. Jusqu'à qu'il leur a dit, je dois partir. Et mon corps, il supporte plus. Je dois partir. À chaque respiration, je double mon niveau.
Donc ça veut dire qu'il était, il était dans un niveau incroyable. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pour où il est. Mais ça veut dire, et on le voit, là où qui va chercher, c'est extraordinaire. Donc la lumière dont je vous ai parlé, c'est un shefa incroyable qui descend pour vous. Il est réservé à vous. Et, vous, et ça, c'est qui est magia lachem. En plus, que je vous ai dit maintenant, un autre système, que même ce qui n'est pas magia lachem, ce que vous ne méritez pas, vous pouvez l'acquérir grâce au système de travailler pour Hachem. Donc maintenant que vous avez tous ces actamot, on va faire un bras quand tu écoutes moi. Mais en rasé, cette lumière-là dont on a parlé, ou bechinat tal orot, ça fait partie des 39 lumières. En vérité, on va commencer plus ici, ça va être plus simple. Ach la dibour shi'air lo. Maintenant, la parole. Donc on avait dit, on s'est arrêté la dernière fois, que quand on étudie la Torah, si vous l'étudiez pour les bonnes raisons, et si vous l'étudiez Bekdusha, et si vous avez tous ces prérequis-là, chacun à son niveau, même un petit peu de tous ces prérequis-là, c'est bien. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un effort supplémentaire aujourd'hui pour ne pas regarder, ou quelqu'un qui a fait un effort supplémentaire pour délaisser le fait d'être gaftan de cette Torah-là, ou de l'étudier pour chacun à son niveau. Il a fait un effort, cet effort-là, il va lui servir pour que le dibour de la Torah, c'est-à-dire l'étude de sa Torah-là, et ce qui va sortir de sa bouche, il y a Irlo Yev Charlie Scott. Il va mériter qu'elle illumine sa voix. Elle illumine ses voix. Ça veut dire quoi? Que la Torah, elle est là. Hein. C'est pas le limoud, elle a amarassé, c'est écrit dans la Gemara. C'est pas le limoud qui est l'essentiel, c'est pas l'étude, mais elle a amarassé, elle doit arriver à t'amener à une action. Ça veut dire de vivre la Torah. Donc, comment tu vis la Torah? C'est quand tu l'as étudiée, c'est sûr, parce que tu ne sais pas quoi vivre. Mais comment tu arrives à vivre cette Torah-là? C'est quand elle arrive à illuminer tes voix, à allumer ta vie. Cette Torah-là, elle commence à illuminer ta vie. Comment elle illumine ta vie? Lorsque tu t'es départi de tout ce que je vous ai dit. Un, d'abord le kavod, qui empêche, qui abîme, qui troue le conduit de la Torah. Et deux, la brite, qui troue le conduit de... Ça va être beaucoup plus facile maintenant de comprendre, on peut traverser facilement parce que vous avez compris déjà tout le système. Qui troue le conduit de la Kedusha. Donc il commence par le kavod. Qui ima les de kavod aïnou sheyir e sheyir kevod Hashem itbarar bishlemut. Comment on fait pour s'assurer que le conduit de la Torah soit parfait? On s'éloigne du kavod. Comment on fait pour s'éloigner du kavod? On fait ce que je vous ai dit. On s'habitue à vivre pour Hachem. On prie pour Hachem. On agit pour Hachem. Et chacun, il n'y a personne qui peut dire moi je ne peux pas. Vous avez écouté un shiur maintenant vous êtes devenu un shiur. Vous avez fait l'effort de faire un shiur, ce qui est quand même incroyable. Dans notre génération, avec tout ce qu'il y a à faire, aujourd'hui il fait beau, etc. Et encore plus, ce qui est incroyable, c'est que vos femmes, elles vous laissent venir. Mais il faut remercier pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant vous êtes venu à un shiur. Vous avez écouté quelque chose, vous avez parlé de Torah, un enseignement, quelque chose. Chacun d'entre vous, vous êtes capable de le rapporter à quelqu'un d'autre. Chacun d'entre vous, vous avez un ami, un collègue de travail. Peut-être pas dans le travail parce que vous voulez pas faire du gezel, mais sur une heure de dîner, vous mangez, quoi que ce soit. Tu sais quoi, j'ai entendu ça hier. Qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes tous capables de. Ou tu vois quelqu'un qui est pas bien. Tu dis, tu sais quoi, j'ai. Rabbeinu, il dit, je pouvais dire Rabbeinu, il dit pas moi. Parce que quand on dit quelqu'un des fois, c'est ça. Tu dis Rabbeinu directement, c'est vrai, c'est Rabbeinu qui l'a dit. C'est Rabbeinu, il dit que quand t'es en bas, en vérité, c'est juste c'est le moyen de remonter. C'est le moment que tu vas remonter encore plus haut. Et tu donnes du riso. Vous êtes tous capables de faire ça. Tous à chacun. Et j'ai plus que ça. Le shiur d'aujourd'hui, on l'a pas enregistré, donc je vous donne quelques hints. Le shiur d'aujourd'hui chez les femmes à Tania, la question c'était qu'est-ce que Hachem veut de moi? Et la réponse, je vous la fais sur un pied, très vite, mais c'est pas grave, ça vaut la peine de. Peut-être on en fera un shiur, on recommencera ce qu'on a dit à Tania, mais il y a deux conduits dans la vie. Il y a deux services d'Hachem. Il y a le fait que vous êtes juif. Baruch Hachem, vous êtes juif. Donc en tant que juif, Hachem, il attend de tout juif, lambda, quelque chose, qui s'appelle dévoiler son nom. Faire la réparation du tikkun d'Adam Rishon. Qui est quoi? Qu'Adam Rishon, quand il a mangé du fruit, quel qu'il soit, quand il n'a pas attendu Shabbat, donc cette faute d'impatience, il a mélangé le bien et le mal. C'est ça la faute d'Adam Rishon, c'est que le bien et le mal a été mélangé. Donc comme à partir de maintenant, même dans la Torah, il y a du bien et du mal. Même la Torah, elle est capable de faire Samprahim et Sambavet. Dans n'importe quel mida, il y a du bien et du mal. Donc le juif qui se tue à faire Torah, Mitzvot, Maasim, Tovim, comme Hachem le demande. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une séparation du bien et du mal. Quelqu'un qui mange kasher, il fait la séparation entre ce qui est kasher et ce qui n'est pas kasher, par son choix. Quelqu'un qui ferme les yeux, qui tourne la tête devant nudité, il fait un choix de dire ça c'est interdit, ça c'est permis. Donc il fait des birourim, il ne s'en rend pas compte lui. Mais il fait des birourim, et à chaque birour qu'il fait, à chaque séparation qu'il fait entre le bien et le mal, il sort le Nitzot du bien. Il sort le Nitzot du bien. C'est pour ça qu'on a été en galoute.
Vous savez que la raison de la Balagalot, c'était de sortir les mitzvot de Kedusha en tant que juif. Okay. Ça, c'est quelque chose qui revient à tout un chacun. Enfin, à tout le monde, à tous les juifs, qu'ils soient religieux, pas religieux, etc. On est là pour sortir le bien du mal. Ok. Et chacun, vous verrez, dans toutes les même si vous faites, vous n'avez pas de kippa, et vous agissez comme quelqu'un qui n'est pas juif, mais vous êtes dans une communauté et vous vivez avec des non-juifs, à un moment ou à un autre, on va dire il est juif. À un moment ou à un autre, ça va être pointé sur vous que vous êtes juif. Et les lunettes, ils vont être pointées sur vous. Parce que vous êtes là pour ça, vous êtes là pour faire le birour dans le monde. Ok. Donc ça, c'est sûr que Hachem, il attend ça de vous. C'est Torah, mitzvot, ma'asitovim, c'est ce qu'on vous dit depuis des générations, depuis tous les tzadikim, ils disent. C'est là, un juif, il vient pour faire le bien. Ça, tout le monde sait. Parce que, hein, même ici. Même ici, parce que la chrisa de la galoute, elle est même ici. Parce que la geoula, est moins peut-être, mais la geoula, elle n'est pas encore arrivée. Tant qu'il n'y a pas de geoula, la chrisa de la. L'emprise de la. Ne nous montre pas du doigt. Toutes les nations du monde, ils montrent du doigt les peuples d'Israël. Mais ici, s'il vous plaît, entre nous. Oui. Même entre nous, il dit, regarde ce religieux, il a une kippa, regarde comment il agit, regarde celui-là comment il agit. Vous voyez que même il y a des niveaux. Et vous avez raison que le goy, puisqu'on ne vit pas avec des goyims de façon générale ici, c'est moins dans le. Mais tous les goyims du monde entier, ils pointent sur nous. Donc ça revient au même. C'est juste une façon différente. Ici, c'est le macrocosme, mais chacun a un titre individuel en France, au Canada ou ailleurs. Ils vivent le microcosme, mais c'est la même chose. Donc, ça, c'est ce qu'attend de nous de façon générale, ok? Maintenant, ce qu'il attend, maintenant, ce que Rabbeinu il dévoile, ce qui est très 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 beau, et ce qu'on dévoile quand on va chez Rabbeinu à Oman, c'est que chacun, hein, il a un tafkid particulier. Un tafkid particulier, ça veut dire un tafkid qui est un rôle que seulement lui peut avoir. Et que tant que lui n'aura pas atteint ce rôle-là, il devra revenir lui, en Gilgoul et en Gilgoul des milliers et des milliers de fois. Sachez que nous, pourquoi on est tellement fatigués, on n'arrive même pas à se lever le matin, et on peut plus s'empêcher de s'énerver, etc. C'est parce qu'on est extrêmement, extrêmement fatigués. Fatigués de quoi? D'être revenu, ça n'a pas marché. D'être revenu, ça n'a pas marché. T'imagines, notre âme, elle le sait, elle n'en peut plus. C'est pas décourageant, parce qu'on sait que, sauf, ça va marcher. Et que chaque fois, très bien. C'est pas décourageant, il a demandé à Abraham. Donc, la réponse, c'est que non, c'est pas décourageant. Vous savez pourquoi? Parce que la preuve qu'on est là, c'est qu'on a commencé à réparer et qu'on a chaque fois réparé quelque chose. Parce que dit le Zohar à Kadosh, et certains comprennent littéralement le Zohar, mais c'est pas ça que veut dire le Zohar selon Rabbeinu, et Rabbeinu il a raison. Donc, le Zohar à Kadosh, il dit que c'est maximum 3 fois qu'on vient. Si au bout de 3 fois on est revenu, c'est fini. C'est perdu. Il faut revenir en chien, en chat, en animal, en pierre, ce que tu veux, mais tu reviendras pas en homme. Ok? Le Zohar il est très dur, des fois il dit sur des fautes, par exemple avec des harayot, avec des goyim, c'est le Zohar nous qui dit en quoi tu reviens. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que et on revient. Mais Rabbi Nathan il explique que ce que veut dire le Zohar à Kadosh, c'est que si tu reviens 3 fois, mais sans avoir fait aucun tikkun, t'as rien fait de bien cette fois-ci. T'as rien fait, t'as pas avancé un iota sur ton tikkun. Si t'as pas avancé un iota 3 fois d'affilée, ça y est, c'est fini, tu peux plus revenir. Mais si on est là, on est revenu des milliers de fois en vérité, c'est qu'à chaque fois on a avancé un peu. Un peu et un peu et un peu, on est à la fin de toute façon là, on est à la fin. Mais chacun d'entre nous, donc c'est encourageant en vérité, c'est pas décourageant, c'est qu'on avance un peu. Maintenant, pourquoi je vous disais ça? Pourquoi je vous dis ça? De même façon de servir Hachem. Ah oui, de servir Hachem. Donc il y a une façon qui est personnelle, que seulement Abraham peut faire. C'est vrai, Abraham, il a un tikkun, c'est une réparation, mais c'est surtout un rôle. Hachem, il attend quelque chose de lui, que seulement lui peut faire. Personne d'autre peut faire ça à sa place. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors comment je fais pour savoir? Alors le secret de Rabbeinu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit, écoutez-le bien. À part le fait de venir chez lui pour savoir c'est quoi son tikkun et de faire la prière de l'écouter Morad Kouf Bechet sur le tombe de Rabbeinu, qui demande à Rabbeinu de nous dévoiler le tikkun. C'est une Torah, c'est un enseignement où là-bas il rapporte que quand quelqu'un vient chez le tzaddik il va chercher son tikkun dans les Olamot, il lui ramène et en même temps il permet au tzaddik d'aller chercher d'autres tikkun qui sont proches de lui pour les ramener aux autres. C'est tout un écoutez Morad, peut-être on le fera un jour ensemble. Ça, c'est une chose, de venir chez le tzaddik. L'autre chose, c'est que Hachem va te dévoiler ton tikkun à partir du moment
où tu commences à vivre pour lui. C'est-à-dire que quand tu t'oublies toi, c'est là où il s'occupe de toi. Quand tu dis, moi, je vis plus pour moi, je vis pour Hachem, je vis pour les autres, je vis pour la... Pour... Ça veut dire, évidemment, il faut être plein, il ne faut pas être vide. C'est comme, quelqu'un qui a demandé ça cet après-midi, c'est comme un verre, ok? S'il n'est pas plein, il ne peut pas déborder. Et s'il ne déborde pas, ce qu'il va verser chez les autres, c'est de lui. Donc il va se vider. Donc à un moment, il va étouffer. Donc c'est évident qu'il faut se construire, il faut être joyeux. On a parlé de Morin Negadlou, de trouver des moyens d'avoir des sources de simra dans la vie, que ce soit la Torah, les amis, tout dans la cache-coute évidemment, ou bien je sais pas, le sport, ce que vous voulez, qui fait en sorte que, ou tout ça en même temps, ou la musique, tout ça en même temps qui fait que vous avez des moments pour vous remplir, pour vous recharger vos batteries. Mais au moment où vous êtes en Morin Negadlou, c'est-à-dire où vous êtes plein et vous pouvez déborder, alors à ce moment-là, quand vous avez pris sur vous de s'occuper d'un homme Israël, de s'occuper d'Hachem, Kaviachol, et Hachem, il vous laisse s'occuper de lui, il veut même ça de vous, il veut que vous vous occupiez de lui dans ce monde-ci. C'est-à-dire de faire des choses pour Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, en récompense, il va mettre sur votre chemin le tikkun, la réparation. C'est-à-dire que maintenant vous avez pris sur vous de s'occuper de Akadosh Baruch Hu, sûrement que votre tikkun, par exemple quelqu'un qui a pris sur lui de faire des de transmettre la Torah ou de faire des shiurim, etc. Ça fait partie en vérité de son tikkun. Lui, il a pris sur lui parce qu'il voulait faire ça pour Hachem. Mais finalement, ça fait partie de sa réparation. Ouais, ça veut dire par exemple, quelqu'un qui a voulu commencer à chanter pour Akadosh Baruch Hu, eh ben, sûrement certains d'entre eux, c'est des Gilgulim, des réincarnations de Chizkiyahou HaMelech. Pourquoi? Parce que la faute de Chizkiyahou HaMelech, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, j'avais écouté il y a longtemps d'un kabbaliste très, 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 très élevé. Il m'avait dit ça, mais en m'expliquant un peu le concept, même si j'étais encore très loin de tout ça à cette époque-là. Mais s'il m'avait expliqué, c'est que je devais en avoir besoin ce soir. Il devait déjà savoir ça, lui. Alors, ça veut dire quoi? Que Chizkiyahou HaMelech, il a fait la faute de ne pas chanter pour Akadosh Baruch Hu, donc il va revenir. Donc maintenant, il y a des gens, ils ont décidé de chanter pour Hachem. Parce qu'ils ont ça en eux et parce qu'ils ont dit, tu sais quoi, si, chanter pour chanter, je sais chanter. Tu sais quoi, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Qui est très récent, que j'ai trouvé extraordinaire. Je ne sais pas s'il regardera le shiur, mais je l'envoie s'il regarde le shiur. Il y a quelqu'un qui est venu il y a quelques années, il y a 2 ans je pense, chez Rabbeinu, à Rosh Hashanah. Cette personne-là, toute sa vie, elle a travaillé en tant que DJ, en tant que... Je ne sais pas exactement toute sa vie, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais en tant que dans les studios, dans la chanson, etc. Et il est venu chez Rabbeinu. Et évidemment, comme il est chez Rabbeinu, il avait commencé à l'aider à trouver son tikkun. C'était quoi? Et lui, il ne savait pas, lui, ce concept-là. Il a dit, tu sais quoi, j'ai une envie d'aider Am Israël. Moi, j'ai eu la chance de connaître Rabbeinu. Et j'ai une envie d'aider Am Israël. On se sent tellement bien de ça que j'ai envie d'aider les autres. Il a dit, qu'est-ce que je sais faire? Moi, je ne suis pas un grand lamdan. Je ne suis pas dans le droit. Mais tu sais ce que je sais faire? Tout ce qui est musique et tout ce qui est studio d'enregistrement, tout ça, je connais ça. Je suis très fort dans ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une radio. Eh bien, il a ouvert Radio Breslev. Et je vous dis, Radio Breslev, moi j'entends de plein de monde. Ça aide énormément les gens. Son slogan, c'est le seul antidépresseur, radio antidépresseur de. Mais même c'est comme ça. Moi, j'ai vu, c'est ma femme. Enfin, ma femme m'a parlé, elle donnait sur une d'éducation. Elle m'a parlé des gens qui viennent chez elle. Ça leur donne la simra. Donc cet individu-là, ça fait partie de son tikkun. Mais lui, il n'a pas fait parce que c'est son tikkun. Il ne sait pas c'est quoi son tikkun. Ouais. Mais moi, je vous garantis que ça fait partie de son tikkun. C'est juste que lui, il a voulu aider les autres. Il a voulu travailler pour Hachem. Donc Hachem, Rabbeinu évidemment, il a dit, tu sais quoi? En vérité, tout le début qu'il a fait des DJ, il a fait tout ça, moi, lui, peut-être qu'il ne le sait pas, ou il ne vous l'admettra pas, ou peut-être qu'il l'admettra au fond intérieur. Mais tout ça, c'était juste pour ça. C'était juste pour la radio Bresseur, en vrai. C'est juste pour ça, pour aider les autres à être joyeux. Et vous savez pas comment il fait, hein? Grâce à la radio, moi et Joie de Vivre et d'autres rabbinim, ils passent, ils donnent des shiurim de 10-15 minutes chaque fois. Mais ça aide énormément, je veux dire, moi quand je fais du sport, c'est ça que j'écoute. Et moi-même, ça m'aide, ça me donne envie de courir. Donc ça veut dire que, donc quoi? Lui, maintenant vous allez dire, attends, okay, lui, peut-être il était très loin, enfin pas très loin, il était peut-être chemin Shabbat, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire lui pour Am Israël? Et aujourd'hui, il a ouvert une radio qui dans le monde entier est écoutée, et qui aide Am Israël, vraiment. Mais ça, c'est chacun d'entre nous qui a ce rôle-là. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, on va devoir revenir. Parce qu'on ne fait pas ni notre tikkun, ni on participe à la gloire d'Hachem. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Oui, j'entends bien que cet élan pour la solidarité du Am Israël.
en quoi cet aspect-là est en même temps à Avoda d'Hachem. Parce que Hachem, il a créé le monde pour Israël. Le monde entier, il tient pour Israël. C'est écrit Bereshit, ça, je rapporte toujours. Bereshit, Rachid dit pour deux Reshit. Pour deux choses essentielles. La Torah et Israël. Donc, tout celui qui travaille pour la Torah ou pour Israël, sans penser à lui. Parce que s'il pense à lui, il ne travaille pas pour la Torah pour Israël, ou seulement en partie malheureusement, ce qui est peut-être c'est déjà bien, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, tout celui qui travaille pour la Torah ou pour Israël, il travaille pour que le monde continue à vivre, pour que le monde continue à se maintenir. Okay? Donc il est quoi? Il est associé d'Hachem, dans la création du monde, puisque chaque seconde, Hachem dit que je renouvelle le monde. Comment il renouvelle le monde? Grâce au fait que la Torah et Israël se maintiennent, persistent, grandissent, évoluent, brillent. Puisque c'est ça le kiyoum du monde, c'est ça sur quoi le monde y tient. Donc tout celui qui participe à ça, il vient d'aider Hachem. Mais alors vous allez me dire, bon, Hachem, il n'a pas besoin de moi. Oui, parce qu'il a choisi d'avoir besoin de toi, pas parce qu'il en a vraiment besoin. Parce qu'il a choisi d'avoir besoin de toi. Ok, on a parlé souvent de ça, mais c'est parce qu'il a choisi. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est bon. Maintenant, on va parler un peu d'un bénour. Ach, les dibour chez Yair. Alors, donc, c'est la parole, et on va bientôt finir aussi. Ach, la dibour chez Yair, lo IF Charlie Scott. Ki ima le de kavod, hainu chez Yir, et chez Yé kevod Hashem idbarar bishlemut. Chez Yé kevodo, le hain neged kevod Hashem idbarar. Hainu a l'idée avanat et katnut. Donc, comment on fait pour protéger la Torah qu'on étudie et la Torah qu'on vit, qui est le second conduit qui protège les tefilot, c'est en travaillant sur la hanava, donc sur le fait de ne pas être orgueilleux. Ouais. Comment on travaille sur ça? Parce que l'individu, il est né avec une envie de kavod. Okay, il est né comme ça. C'est normal de vouloir chercher le kavod. Pourquoi? Parce qu'il est né avec le potentiel de lui donner du kavod à Hachem. Ce kavod-là, il n'est pas pour lui. Il lui a été donné pour qu'il le retransmette. C'est il a un mérite. Mais ce mérite-là, comme il ne le retransmet pas à Hachem, il tombe. Ça s'appelle Nefoula, comme on a parlé pour la peur. Je vous ai dit que Rabbeinu, il explique que tout dans la vie, tout c'est comme ça. Pour par exemple, il dit qu'un homme, il est mal et pachad. Il est plein de peur. Ça veut dire quoi qu'un homme, il est plein de peur? Rabbeinu, il explique. Il dit qu'un homme, il est plein de peur. Ça veut dire qu'un individu, tu le vois, il a peur des policiers lorsqu'il est en train de conduire et il voit un flic, il devient blanc. Il a peur que des voleurs, il a peur de ça. Chacun, il a ses peurs. L'homme, il est mal et paral. Alors l'individu, il dit, attends, pourquoi j'ai tellement peur? Il dit, c'est normal que tu as peur. Pourquoi t'es normal? Parce que Hachem, il t'a confié un trésor. Une certaine quantité de ce qu'on appelle la ira, la crainte. Pourquoi il t'a confié ça? Parce qu'il t'a créé comme ça. Pourquoi il t'a créé comme ça? Parce que tu es censé avoir de la ira de Shamaïm. Tu es censé avoir la crainte du ciel. Et quand je dis crainte du ciel, c'est pas avoir peur qu'on te frappe. C'est avoir une conscience, ce qu'on appelle la crainte révérentielle en français. C'est-à-dire une conscience tellement grande de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que tu te dis, waouh, Hachem est tellement grand. En fait, tu vois la mer, tu te dis, waouh, Hachem il fait tout ça, c'est incroyable. Tu commences à marguiche, à sentir une certaine crainte révérentielle. Mais un individu lambda, qui est 99% des gens, disent, oh, attends, penser tout le temps à Hachem, savoir qu'il est tout le temps là, etc. C'est trop pour moi, je peux pas, j'arrive pas. C'est trop. Donc, il pense seulement quand il est à la synagogue, et des fois, de temps en temps, quand il rencontre quelqu'un, il fait attention, il dit, ah, il y a Hachem ici, ou un rab, ou un grand rab, etc. Mais là, 99% du temps, il se comporte, comme s'il n'y avait pas Hachem, ou comme s'il était très, très, très loin. Ok? Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il lui reste une quantité non utilisée de ira, de crainte. Il y a une quantité qu'il n'a pas utilisée. Où elle va cette quantité-là? Rabbeinu dit, elle tombe. Elle tombe où? Dans ce monde-ci. Il va commencer à avoir peur de la police, il va commencer à avoir peur des voleurs, il va commencer à avoir peur de ça. Alors Rabbeinu, il ne donne pas seulement le problème. Il dit la même chose par exemple pour la Ahava. Un individu, il est en lui une quantité, un trésor qui s'appelle Ahava, l'amour. Pourquoi il a cet amour-là? Pour la Ahava de Shamaïm. On lui a donné la possibilité d'aimer le Hachem et d'aimer chaque juif. Ça fait partie de la Ahava de Shamaïm. C'est une possibilité. Ah, il dit, mais non, mais c'est trop dur, j'ai pas envie. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir Ahava Nefula. La Ahava, elle va tomber. Où elle va tomber? Elle va tomber dans l'amour obsessionnel des voitures, ou des femmes de Alenou, ou d'autres choses comme ça. Ça s'appelle une amour tombée. L'espoir, c'est la même chose. Quelqu'un, la Emouna, ouais. Quelqu'un, il. Alenou, quelqu'un.
si je souhaite ça à personne, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ok? La femme et le couple, ils font des tikkunim après tikkunim, c'est-à-dire traitement après traitement, traitement après traitement. Et à chaque fois, ils ont confiance dans le traitement. Ils disent, oh, celui-là, il va marcher, celui-là, il va marcher, celui-là, il va marcher. Ouais? Qu'est-ce qu'ils font? Normalement, il y a une certaine quantité d'émouna et d'espoir que tu dois avoir en qui? En Hachem. Mais eux, c'est vrai qu'ils ont croix en Hachem, ils prient Hachem. Mais il y a une partie de cette émouna-là qui est dans le traitement lui-même. Donc, quand le traitement, il ne marche pas, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont désespérés. Mais s'ils avaient le traitement, ils avaient confiance en Hachem, même si le traitement ne marche pas, moi j'ai confiance en Hachem, c'est pas dans le traitement que j'ai confiance. Donc si celui-là ne marche pas, un autre il marchera, c'est Hachem qui va me donner de toute façon. Comme ça ne change rien pour moi. Et ça dans toutes les choses de la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une quantité qui doit être transmise, qui vous est donnée normalement. On parlait du kavod, c'est la même chose. Le kavod, c'est pourquoi? C'est pour que vous dévoiliez Hachem dans le monde. Mais les individus, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de se tuer à dévoiler Hachem dans le monde. Et comme ils n'ont pas envie de se tuer, le kavod, il tombe. Où il tombe? Ils le veulent pour eux. Mais c'est la conséquence normale. Si tu ne cherches pas le kavod d'Hachem, tu as du kavod. Et juste le fait de parler, ça te donne du kavod. Le fait d'étudier la Torah, ça donne du kavod. Le fait de vivre, ça donne du kavod. Et donc l'individu, quoi? Il veut le garder pour lui, il cherche. Et c'est de pire en pire. Alors comment on fait pour... Et on va finir comme ça. Comment on fait... Alors il donne la solution à Benoît. Comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux, de toutes ces choses qui sont tombées, que ce soit la ira, et vous prenez dans toutes les choses, c'est comme ça. La hava, le pachad, la peur. Oui? Hein? Ah ok, c'est pas grave. Alors, le pachad, etc. Comment on fait? Et on va finir avec ça. Vous pouvez mettre ok peut-être, ça va marcher. Donc, le secret, il est comme ça. Je vais vous le dire, on va finir avec ça. On reviendra sur les mots de Rabbeinu. Le secret, il est comme ça. Un homme, il doit faire tchouva. Par exemple, dans l'exemple de la peur, sur ses peurs. C'est-à-dire que quand il est en train de conduire, il voit un flic, il a le cœur qui bat à 300 km/h, il ne doit pas s'arrêter au milieu de la route, mais il doit s'arrêter dans sa tête et dire, oh, pourquoi j'ai peur du flic? Ok, qu'est-ce qu'il va me faire? Il n'y a rien qui peut me faire sans Hachem. Tout de suite, il doit ramener cette peur-là, qui est la conséquence d'une peur qui est tombée, vers Akadosh Baruch Hu. En faisant ça, il la remonte, et vous allez remarquer, dira Benoît, c'est pas moi, que la peur, elle va disparaître. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a remonté la peur, il a redirigé là où elle doit être. La même chose dans les Ahava. Avoir une maison, c'est normal. Avoir une voiture, c'est vouloir avoir une voiture, c'est normal. C'est une fonction, on a besoin. Mais être amoureux de sa voiture et la nettoyer comme si c'était la dernière merveille du monde, c'est pas normal. Donc quelqu'un qui est comme ça, il doit se remettre en question. Il dit, attends, c'est pas normal que j'aime tellement ma voiture. Ok, que j'en ai besoin, que je la fasse nettoyer pour qu'elle soit propre, c'est normal, je veux qu'elle soit propre. Mais que je suis là à changer les jantes et à vérifier toutes les trucs, ça c'est un truc qui n'est pas normal. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma Ahava, elle n'est pas dirigée dans le bon sens. Tu fais tchouva sur ça, et là, va le rediriger, il va avoir une voiture sans l'aimer comme il faut, il va aimer plus Hachem. La même chose dans l'espoir, il redirige l'espoir vers Kadosh Baruch Hu, c'est le secret de toutes les Haftapot, la Emouna qui est redirigée vers Hachem, c'est ça qui fait que ça marche après. D'ailleurs, vous remarquez que quand une femme, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle est obsession, il y a une obsession sur le fait de ne pas avoir d'enfant, elle oublie tout ce qu'il y a autour. Mais dès que vous allez, la plupart des gens qui ont traversé ça, ils vont vous dire, alors comment tu as eu un enfant? Majorité d'y penser. C'est-à-dire, je me suis dégagé de cette obsession, et j'ai dit, tu sais quoi, sans les mains d'Hachem, ça y est, c'est sauvé. Des femmes qui avaient tout pour avoir des enfants, mais qui n'arrivaient pas, parce que c'est devenu une obsession. Ils ont mis tout leur focus, le Morin des Katnout, dans le problème, ou dans la peur, ou dans quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ça reste que tu empêches Hachem d'intervenir dans ta vie. Après, on a beaucoup parlé de plein de sujets, mais vous avez au moins des grandes lignes, et on va continuer de l'écouter Morin des Saint Hachem, pour comprendre comment se comporter et comment réagir. Et c'est des sodotes. Ce que je vous donne, ce que Rabbeinu nous donne, c'est la Torah du Mashiach. Rabbeinu, il a dit, entre moi et le Mashiach, il n'y a pas une grande différence. Il n'a pas dit qu'il était Mashiach, hein. C'était pas le Mashiach. Mais il a dit, la Torah du Mashiach, il n'y a pas une grande différence. La seule différence, c'est que lui, vous allez l'écouter, et moi, vous ne m'écoutez pas. Ça veut dire que ça, ce que je vous enseigne, c'est la Torah du Mashiach. C'est la dernière Torah qui va être dévoilée dans le monde. C'est ça les chidushim de Torah. Après, chacun, il a ses chidushim propres qu'il va étudier, qu'il va apprendre, mais tout est déjà donné là. Tout est sur un plateau. Donc, ce qui va arriver, et Rabbeinu a dit une chose incroyable, on en parlera peut-être une autre fois, mais il a dit, moi, il y a deux types de personnes qui me font de la peine.
c'est ceux qui ne m'ont pas connu. Vous pouvez dire ça parce que vous étudiez le côté moral. Et ça, c'est une catégorie. Et ceux qui m'ont connu, mais qui ne m'ont pas écouté. Donc ça veut dire que, je vous dis, il a toutes les sodotes. Tout ce que je vous donne, c'est des sodotes incroyables. Mais encore une fois, ça, j'ai fini pour tout à l'heure comme ça et je vais vous finir comme ça aussi maintenant. Rabbeinu, il a donné aussi un autre secret. C'est que toute Torah étudiée, sans de la tefila associée à cette Torah-là, elle va rester les matins, elle va rester en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez étudié maintenant qu'il faut, qu'on vient d'étudier, qu'il faut vivre pour Hachem, il faut prier pour Hachem. Okay? Si maintenant vous ne prenez pas 2 secondes ou 3 secondes en sortant d'ici pour lever la tête au ciel et dire Hachem, je t'en supplie, je viens d'étudier qu'il faut prier pour toi, aide-moi à prier pour toi. Je t'en supplie, aide-moi, donne-moi la force de prier pour toi, donne-moi les mots pour prier pour toi, donne-moi l'envie de prier pour toi, donne-moi l'envie de vivre pour toi, donne-moi le fait que ce soit agréable pour moi de vivre pour toi. Si vous ne transformez pas la Torah qu'on vient d'étudier en tefila, elle ne se concrétisera pas. Ça ne deviendra pas une Torah de vie. Pour qu'elle devienne une Torah de vie, il faut que le sechel, ce que vous avez emmagasiné maintenant comme information, se transmette au cœur. Parce que c'est le cœur qui est la pompe qui va permettre aux mains d'agir. Donc tant que vous n'aurez pas fait ça, et que vous ne lâcherez pas, peut-être que vous n'allez pas voir les fruits tout de suite, mais si vous ne lâchez pas la tefila de ce que vous venez d'étudier, à un moment ou à un autre, ça va comment concrétiser. Vous allez commencer à vivre ce que vous avez étudié. Ça, ça, ouais,